Mariam, la liberté de ta fille. Nous sommes samedi 25 janvier 2020. Donc hier vendredi 24 janvier 2020. Donc il y a eu la manif grève générale avec les syndiqués, les syndicats, bon. Et donc là nous sommes avec la manifestation des Gilets jaunes, mais tout le monde peut nous rejoindre. Hein, parce que non seulement c'est pour la retraite, mais c'est d'autres sujets aussi, sur le pouvoir d'achat, sur la dette, sur le fait que là, tous les droits sociaux sont détricotés par la Macronie, hein. L'assurance chômage, on va voir après la sécurité sociale, voilà, donc les conséquences de l'APL aussi, tout ça. Là, nous sommes à Féderbe-Chaligny, c'est la ligne 8. Et là, nous allons vers Voltaire, la place Léon Blum de la mairie du 11e. Après, vers la ville Parmentier pour aller au métro Parmentier. Ensuite, nous arrivons du côté de l'Université Saint-Louis. Nous allons longer vers la droite pour arriver à la place Colonel Fabien. Voilà. Après, nous allons faire tout un tour vers la gauche. Bon, c'est tout un chemin, là, plusieurs kilomètres. Il est responsable de guerre, de génocide, de guerre, impérialiste, intermatériel, de guerre coloniale, de traitement. Donc moi je vais déclarer, même si mes larmes sont là, samedi 25 janvier 2020, pour le début de la manifestation des Gilets jaunes, de tout le monde, de tous ceux qui veulent venir, pour montrer qu'on n'est pas content de ce gouvernement, de la Macronie, de tout ce qu'ils font contre les droits sociaux. Donc là, nous partons de Féderbe-Chaligny, il y a un peu plus de 13 heures. Nous allons aller vers vers place Léon Blum, métro Voltaire, c'est la mairie du. Au revoir. Nous sommes très entourés. Soit je sais pas, nous sommes des vedettes, des stars, ou alors ils cherchent des terroristes, mais bon. Peut-être pas le bon endroit. Eh ben, il y en a, hein. On sait à quoi vont nos impôts. Voilà à quoi vont nos impôts. Une grande partie. Parce que bien sûr, il faut bien avoir des armes, faut bien avoir des gaz lacrymogènes pour pouvoir avoir tout ça. Voilà à quoi sont nos impôts. Hein, pour se faire gazer par nos propres impôts. Bibliothèque Violette Le Duc. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, Macron il organise un coup d'État. La réforme des retraites, on est le fer de lance. Notre seul objectif, c'est résistance. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci, c'est bien. Et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là.
exotique, goûter. Prends. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron, ah, on est là. La maison de santé, consultation. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Avec les flics, on est là. Avec les flics. Ils font la manif avec nous, les flics, en fin de compte. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit de faire des manifestations comme ça, habillés. Ben là, justement, ils en profitent pour les faire, les manifestations. On est là. Radical. Mais nous ne sommes pas des moutons. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. Même si Macron, ah, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur. Pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Et pour un monde meilleur. Même si Macron. Là nous sommes arrivés à Charonne-sur-Chanzy. La rue Féderbe, là c'est le palais de la femme. Là aussi c'est un scandale à l'intérieur. Oui, il y a des armes. C'est pas seulement des LBD, il y a des vraies armes. Essayer de traire des mouches avec des mots de boxe. Pour un monde meilleur.
La gendarmerie. Je peux vous remettre votre étiquette? Oui, c'est bien. C'est le truc des fois qui arrive, on le voit pas. Merci. Attends. Et des bonbons. Non, merci parce que. Des bonbons, oh, monsieur. Parce que j'ai un peu des couronnes. J'ai des couronnes. Des couronnes. La manif des flics, je vous le dis. Les flics, ils doivent redemander à venir parce qu'ils peuvent pas manifester. De finances publiques. Là, on doit déposer les déclarations d'impôts. C'est pas eux qui à qui on doit verser, voilà, c'est eux qui récupèrent. Thank you.
Il y a trois fois. D'après ce que j'ai vu sur un plan. Ouais, parce qu'après on fait ça et on revient en haut là. Attends. Ça va les gars, tout ça, ça va? Parce que vous avez toujours pas de... Là on va aller où là? C'est pas... Là on va aller jusqu'à métro Parmentier là-bas. Là c'est l'avenue Parmentier, on va tout droit, on va aller jusqu'à l'hôpital Saint-Louis. Ça va maman? Hôpital Saint-Louis. On va à l'hôpital Saint-Louis. Ah, ça va. Hôpital Saint-Louis, colonel Fabien. Ah, merci, je voulais aller devant. Tu veux aller devant? Je parle avec elle pour son bureau. Vous mettez l'histoire.
Bonjour. Voilà, nous sommes à la mairie du 11e, place Léon Blum, métro Voltaire. Non, c'est pas le muguet de Noël. De la poudre de perlin, papa, ce qu'a annoncé Macron. Ça se permet de donner des leçons de démocratie. Soulève-toi! Ce sont des méchants! Ne racontez pas de conneries avant un retour!
gouvernement. Ils vont faire crever au travail les gens. Oui, violence policière, violence sociale. Oui, violence politique, oui. Oui. Mais on n'est pas en dictature, non. Il n'y a pas un seul homme qui a tous les pouvoirs en main dans l'Assemblée nationale. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est de la poudre de perlin, pain, pain, du bla, bla, bla. Ça va, ça va. Bonne ambiance, hein. Oui. Ah, ça va, les... J'ai aperçu le drone. Il n'y a pas de pigeons ? Non, c'est plutôt les mouettes. J'aime pas trop les drones. Nous sommes à... toujours à l'avenue Parmentier, au Saint-Ambroise à notre droite. Nous allons bientôt arriver au métro Parmentier. Là, nous passons devant les pitauges qu'ils font pour les avocats. Ah, c'est les gendarmes, c'est les militaires. Un militaire, il use un lanceur. Mais avant, quand il partait, il sortait de l'armée, il faisait le retrait. Là, je crois pas. Il y a un gros serré, là. Ouais, c'est ça. Bah, je pense. Salut! C'est ça, on va se faire arrêter par les flics. Ils vont monter la voir. Apparemment, c'est tout un peu de la prestigie. Que j'ai dit, j'ai fait. Tu vois, je suis bien en plus. Je vais voir si je peux. Ça va être ça, le salon, les syndicats.